Donc, quand ta mère est sortie, il faut qu'on se parle. Et qui est? Parlons-nous d'homme à homme. Écoutez très bien. Tu trouves que le comportement que tu as là est normal? Mon frère. Ton comportement là est acceptable? Ça, c'est le comportement que tu as comme ça. C'est moi-même qui ai fait des efforts pour enceinter ta mère. Hein? L'hôpital, c'est moi qui ai payé mon argent. Le trousseau même, pour que tu viennes sur la terre ici, c'est moi, j'ai dépensé pour que tu viennes sur la terre ici. Tes visites prénatales et tout ça, j'ai payé avec mon argent. Comprends ça. Je t'ai cédé la poitrine de ta mère, j'ai seulement dit que prends la poitrine, même pour 3 mois, tu confisques. Okay. Est-ce que c'est honnête? Je te dis que... Tu vois pas que c'est méchant? C'est égoïste? Ça la peur blanc, oui. J'ai dit prends la poitrine pour 3 mois. Tu t'agrippes depuis 8 mois, tu joues sur ça, tu ne peux pas lâcher. What? C'est ta poitrine. Regarde si je veux me tuer. On te prête quelque chose que utilise un peu, tu libères, tu ne libères pas. Et tu as tes techniques là que je ne sais pas ce que si je t'ai fait quelque chose avant que tu ne me dis pas. Okay, tu as tes techniques bizarres là. Que quand je crois que tu dors déjà, dès que je mets un peu la main sur ta mère, c'est là où le cri, tu lances le cri de guerre. Comme si tu me reprochais quelque chose. Tu as un jour manqué le lait ici. Jamais. Tu as manqué le lait, tu es resté ici nu parce que tu t'es pas réveillé. Que je n'ai pas fait la nuit. Tu as manqué la couche. Je dis que... C'est que... Tu t'agrippes sur le sein de ta mère. Et puis tu me regardes avec un œil. Tu me casses l'œil. Sont tes seins. Sont tes seins. Blagoya. Tu es fort. Pourquoi un enfant peut avoir un comportement pareil? Quand tu fais comme ça, là, tu gagnes quoi dans ton comportement là? C'est-à-dire que c'est quoi l'intérêt? Tu vois ton père malheureux? On te cède un espace. On dit occupe-toi, toi, moi, tu libères. Rien d'autre. Rentre. Que le propriétaire retourne à la surface. Non! Tu es là comme ça, tu t'agrippes gaillardement et tout. Et comme si tu étais en complicité avec ta mère. Quand tu veux l'attaquer, elle dit que non. Le nerf maternel, l'enfant va parler jusqu'à 1 an. Hein, papa? Avant 1 an, je vais vous laisser ici. Hey. Avant 1 an, je vais partir. Tu vas rester avec. Tu n'es pas marié, tu ne peux pas comprendre. Avant 1 an, je ne serai plus là. Si tu continues comme ça, ici. Si tu es sage, je te laisse encore 3 jours de préavis. 3 jours de préavis. Tu te libères les seins. Ouais. Si tu t'agrippes dessus, ça veut dire que tu es contre moi. Ça veut dire que désormais, tu es un adversaire pour moi. Maître. Oui, ça veut dire que désormais, toi et moi maintenant, ça veut dire qu'on est des adversaires. Je te considère comme un adversaire. Ça, c'est un phénomène. Et enfant que tout ce que tu manges, c'est moi. L'eau que tu bois, c'est moi. La maison même, tu ne connais pas le prix du câble. Tu as payé le câble ici. Tu payes le loyer. Tu payes quoi ici pour être exigeante comme ça? Quoi d'interrogation? C'est tout que j'ai des bébés. Et maman. Je ne crois même pas si demain même, tu vas m'aider. Ouais. Peut-être que je suis en train de souffrir pour ça, pour que demain tu ailles avec ta mère. Ouais. Mais là, comment tu me tais? C'était les 3 jours de préavis, non? Les 3 jours passés, je quitte la maison aussi. Donc choisis. Ou tu me nommes sur le sein de ta mère dans 3 jours. Ou alors, tu vas voir mon départ. Je vais voir ta mère et ton amour battre pour trouver le nerf, pour trouver tout ça. C'est tout là. Tu fais quoi comme ça? Tu dois pleurer. Ce n'est pas mon problème. Tu me regardes comme si on était des rivières. Tu dois quelque chose. Donc, tout ce que tu t'es fait de mal, c'est m'occuper de toi, non? La vidéo, c'est ma féerie, au moins. J'ai regardé ça 10 fois. Tu connais les secousses que je rencontre dehors pour que tu sois à l'aise comme tu es là. Tu prends le poids, je m'écris. Comme ça ne suffit pas, tu laisses mon espace, ma poitrine. Merde, là. Tu veux combien coûte la dot? La non, le toqué pour que tu aies fait. Bah, les amis, il y a les phénomènes. Bon, parce maintenant, on va écouter l'autre version. Quand les gens pensent que c'est seulement le witch qui donne l'argent, écoutez l'autre version. 2 vidéos qui m'ont fait la. Maman, je suis vraiment très heureux grâce à mes femmes. C'est un plaisir pour moi de match qui t'a révolué. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour vous et pour vos réalisations. Et je t'ai dit que tu peux me tutoyer. Pourquoi tu fais toujours ça? Non, c'est la nature des habitudes. Quand les gens pensent. Les travaux encore bien évolués ici. Il faut seulement entrer dans le wish pour avoir l'argent. Voilà, c'est ce que ça donne. Regardez. C'est ce que je fais. Vraiment. C'est vraiment, c'est ça. Et si ce me revient quand je dis, c'est parce que vraiment, je veux vraiment le secret des parts ici. Le secret? Oui, le secret des parts ici. Mais vraiment, quand tu fais des merveilles de réalisation, c'est énorme. Attends, mais tu te souviens qu'à dernière fois, tu es venu ici, tu m'as demandé le secret de ma réussite? Oui. Tu te souviens que l'avant, dernière fois, tu m'as demandé la même chose? Oui. Tu veux dire, attends, tu veux que je me répète? En tout cas, je me répète donc, le secret c'est le travail, oui. L'abnégation, oui. Le souci du détail. Oui. Et si je connais pas moi. Il faut beaucoup prier, il faut beaucoup demander à Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire de toi
quelqu'un de grand. Tu ne vas pas croire. Et il y a pas vous qui posez quelqu'un de grand comme vous. C'est pour ça qu'il est celui-là. Mais c'est pour ça que je te donne les conseils tous les jours, mon petit. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu m'as demandé de travailler, non, il travaille chaque jour, même lui, la chambre, il passe. Non, attends. Je te dis le problème, c'est que toi, tu ne mets pas suffisamment d'accent sur le détail, sur le travail bien fait. Tu ne mets pas l'accent sur l'abnégation. Est-ce que tu pries même? Qu'est-ce que tu pries? J'ai pris gang. Après, tu fais tout ce que tu fais. Tout. Il fait tout. Attends, est-ce que tu fais tout ce que je te dis là? Il fait tout. Ça ne donne pas? Oui. Rien. C'est pour ça que moi, je demande encore une fois le président aussi. Parce que depuis, il fait ton son de compagnie. Parce que sans pas à l'aise avec moi, tu es mon gang, tu m'as dit comment tu travailles. Sans pas à l'aise. Il ne faut pas avoir des barrières. Que tu travailles plus que qui? Tu t'attends à ce que je te dis ou quoi? Je ne connais pas. Dis-moi, non, je connais, il veut que tu me dises encore. Mon petit. Tu t'attends à ce que je te dise quoi? Le 8, non? Tu n'es pas un enfant, non? Le 8. Voilà. Prends-moi comme un petit frère, dis-moi. Donc le réseau. Le 8. Hein? Ouais, parle. Parce que depuis que c'est le travail, c'est la prière. Tu dis que non, ça ne te dit rien. Tu t'attends à ce que je te dise quoi? Donc le réseau. Il était connu quand tu n'avais rien. Quand tu me dis que c'est la prière, toi tu peux dire prière où? Tu es vraiment parti prière où? Moi, je dis. Mon petit, accouche. Tu veux que je te dise quoi? Accouche alors. Vas-y, enchaîne. Comment la rue, non? Enchaîne. Tiens, quelle route? Où toi, tu es parti pour. Vas-y. Montre-moi où tu es ancré pour avoir l'argent. Tiens. Je suis entré à l'église. Dégage devant mon parent. Mon petit. Il te voit venir. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Prononce le mot là. Voilà. Fais comme si elle était limitée dans les secteurs. Voilà! Est-ce que c'était compliqué? On t'a signé sur la secte. Voilà. C'est tout ça, non, c'est pas. Non, on peut rien te cacher. Tout à l'heure, je t'ai dit comment faire. On peut pas briser ça que dans la secte. Mais mon frère, ça que j'ai pensé déjà, tu ne comprends pas. Ouais, enfin j'ai compris, mon petit. Est-ce que c'est quoi? Là, c'est un truc qu'on a, c'est pas possible. Ok. Tu veux que tu te dises, non? Ouais. Tu es prêt à m'écouter, non? Ouais. Écoute-moi bien. Ouais, je vais écouter. Sors d'ici! Il ne revient plus jamais! Sorcier! Pardon! Les camions sont terribles! Moi, même petit secret, ça te dépasse! Sorcier! C'est son dos! Alors, c'est l'histoire de Soy, une jeune psychologue de 38 ans qui a ouvert son cabinet pour aider des gens à trouver des solutions à leurs problèmes. Pourquoi c'est un peu comme la sorcellerie? Moi, en tout cas, je vois. Elle a beaucoup de combats intérieurs qu'elle mène. Voir une enfant de 16 ans capable de porter une grossesse quand toi, ça te dépasse encore. Tout va bien? Marie de Soy, je suis absorbé par la rigueur de ma mère qui me dit « Si t'as pas un enfant, c'est que t'as pas encore de femme. » Je ne vois pas à quoi se questionner sur ta capacité à faire un enfant, c'est te critiquer. Le mariage de ma fille bat de l'aile. Déjà, elle est partagée entre son bureau, là où elle traite ses patients, et son foyer. Du moment où il n'y a pas d'enfant, c'est pas du tout facile pour elle. Je connais le chemin de ton bureau. Il va te paraître moins long à ma compagnie, tu vas voir. C'est un personnage très futé qui ne dit rien pour rien, qui ne fait rien pour rien. Et puis il se dit que son grand frère Paul n'a pas assez de caractère pour pouvoir assumer les responsabilités de la famille. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider dans cette affaire, Soy? Je veux simplement qu'on me fiche la paix. Mystère, suspense, frisson. Et Wusu, c'est une battle pas possible entre la sorcellerie et la psychologie. Maria, est-ce que tu m'entends? Quelle est la place de la psychologie dans notre société africaine? Nous avons appliqué un cabinet spécialisé dans les affaires de sorcellerie au quartier. Et je pense que peut-être à travers cette série, beaucoup de gens vont commencer à consulter les psy. Moi aussi. Bonjour, je suis Jeanne Benti. Gabrielle Hervé Gouette. Marie-France Barga. Daniel Sang. Je suis Blanche Bilongo. Retrouvez-moi dans Ewusu. Votre nouvelle série Canal Plus originale. Bientôt et seulement sur Canal Plus Première. Les vraies choses des Blancs. Inédit, Ewusu, votre nouvelle série Canal Plus originale. Bientôt et seulement sur Canal Plus Première. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.